Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis devant Jiffy et la ville c'est Kabelstrani, je pense, hein, si je ne l'ai pas écorché. Je vais de toute façon mettre le nom en bas de la vidéo. Donc on va faire un petit tour chez Jiffy, hein, voir les soldes, les nouveautés, les arrivages, s'il y en a. C'est parti! Alors des petites choses, hein, qu'on ne pense pas forcément à venir chez Jiffy, hein, pour les trouver, c'est des blocs portes, hein, des cales portes. Et ça, je trouve ça pratique. Et ils sont à 1,95€. Ils sont vendus par 12. Voilà, un autre style, hein, de cale-porte, c'est ça. Ça, c'est bien pour faire un petit courant d'air aussi. Hein. Vendus par 4. Et ils sont à 1,39€. Alors, j'ai oublié de vous dire, hein, là, je suis dans le rayon. Hein, vous voyez, 1, 2, 3, 4 euros. 1, 2, 3 euros. Donc il y a des petits prix. Là on a des petites lanternes comme ça pour l'extérieur de plusieurs coloris. Donc on a du vert, du jaune, du bleu avec une petite bougie LED, voilà, qui fonctionne. Je pense avec des petites piles. Et elles sont ces lanternes sont à 2,50€. Alors toujours dans ce rayon, hein, dans cet espace 1, 2, 3 euros. On a c'est la marque Grundig qui fait ça. Et on a des bandes LED. Donc ça c'est pas mal, hein. Moi je vous en parle souvent. Donc celle-ci elle fonctionne avec des piles. Et c'est pas mal pour mettre, hein, dans les dressings, dans les vitrines. Donc là ils ont mis aussi au niveau des escaliers. Bon, moi je suis pas très très fan. Surtout quand c'est des choses qui fonctionnent avec des piles. Là au-dessus, hein, des petites étagères, je trouve ça vraiment pratique. Mais dans un dressing ou une vitrine, ça peut faire super sympa. 2,50€. Alors là, c'est une bande d'un mètre. Et il y a 30 LED. Des housses de rangement. Alors la hauteur, c'est une housse de 1 mètre. En largeur, ça fait 60 cm. Et elle est à 1,55€. Alors dans ce même rayon, on retrouve, hein, les petits coussins comme ça qui sont très jolis. C'est des coussins. Alors ils font 38 par 38. Il y a plusieurs imprimés. Donc il y a toujours un imprimé. Et puis derrière, il y a une couleur unie. Donc on a ce modèle-là, on a celui-ci que je trouve sympa. On a celui-là en vert, celui avec des motifs sur fond orange. Et ils sont à 2,95€. Alors ici, c'est des lots de serviettes invitées. Non, c'est même pas des lots. Ah si, ils sont vendus par 4. Voilà, je pensais que c'était vendu par 4. Donc c'est 4 petites serviettes invitées. Alors c'est des serviettes, hein, qui font 30 par 30, 100% coton. Donc on a cette couleur, on a du blanc, on a du beige, on a du jaune, du bleu. Et le prix est de 2,90€. Alors si vous êtes comme moi, vous aimez bien les bougies mais vous ne supportez pas l'odeur, pourquoi pas utiliser ça occasionnellement puisque c'est des piles. Donc c'est vendu avec 4 piles, 1,40€. C'est des petites bougies chauffe-plat. Alors je vois ça, hein, et comme on n'est pas très loin de la mer, j'en ai pas pris beaucoup pour ma fille, je me dis je vais peut-être lui prendre quelques moules comme ça pour le sable. Donc là ils sont vendus par 4. Donc un petit bateau et 2-3 moules à 1 euro tout rond. On a sinon des outils, hein, de plage, hein, pareil, hein. Ça part vite, hein, bah c'est l'emplacement. 2 euros hein, les outils, que ce soit pelle, râteau, etc. Alors ici on a des gros rouleaux de papier. Gros rouleau, hein, de papier. Donc j'essaie de voir si c'est épais. Il y a 2 couches. Et il est à 1,90€. Hein. C'est du papier multi-usage. Je continue avec porte-couvert et égouttoir en forme d'éléphant. Alors on a du rose, on a du bleu à 2,95€. Ici on a des petits rangements sous forme, hein, des petits tiroirs. Il y a 5 tiroirs, soit en blanc, soit en gris, 1,99€. Des pinces à linge, alors soit en bois, ou alors il y en a 24, ou soit en plastique. Je vais regarder combien il y en a en plastique. Pareil, 24, ils sont à 50 centimes. Alors ça c'est une petite déco à poser ou à suspendre. Donc c'est un cadre blanc avec une petite cordelette et plein de petites pinces où on peut soit accrocher des photos, soit mettre des petits mots comme ça. Et ils sont à 1,50€. Des petites lampes veilleuses. Lampes veilleuses en forme de petits nuages. 2,50€.
Pareil, alors là c'est une petite licorne à 2,75. Alors tout ça, ça fonctionne avec des piles. Alors, ça fait partie de la pub. C'est des petits pots avec des petites plantes grasses. Il y a plusieurs couleurs. On a du rose, du jaune, du gris, du noir. Ils sont à 1,50€. Je continue avec ces petits vases déco à 1,95€. On a du jaune et du rose. Petit vase un peu soliflore. Juste à côté, on a ceux-là. Ceux-là, je les ai déjà montrés. Je les trouve vraiment très jolis. Il y a plusieurs couleurs. Hein. On a du bleu, du blanc, du noir, du gris, du rose. Et voilà, à 1,29€. Alors, je continue avec ce range couvert, soit en rouge, soit en blanc, à 1,95€. Alors ça, c'est pratique. Alors c'est en plastique, c'est un range couvert avec des couverts à l'intérieur. Donc il y a 24 couverts, ils sont à 1,95€. Donc on a cette couleur là, mais on a également du rose ici et on a du gris. On a ici des verres à eau en verre, vendus par 6 à 2,75€. Alors là, c'est des pinceaux, c'est un ensemble de pinceaux. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux. Donc pour le teint, le blush plutôt, les yeux, par à paupières, et ça pour les cils, les sourcils, 2,95€. Il n'y a pas la même petite chose, hein, on les a ici à 2,80€. Alors ça, c'est vraiment top, hein. C'est un gratte d'eau, alors ça c'est utile. Et puis alors il fait gratte d'eau et en bas là il fait chausse-pied, 1,05€. Alors c'est des choses toutes simples, hein, des fois on les commande, on les achète sur les sites. Il y en a ici en fait, hein, chez Jiffy. Là on a un ensemble de manicure, pédicure, 1,50€. Et un ensemble de lime à ongles, il y en a 30 à 1,05€. Alors on les retrouve ici, hein, aussi, les petits soliflores de plusieurs couleurs. Hein. Alors je vous remonte ces bobonnières. Alors ici il n'y a pas de transparent, hein, si vous recherchez transparent. Donc mais on retrouve du orange, du vert, du bleu. Et c'est des bonbonnières qui sont à 1€. Je continue avec ces petits bocaux hermétiques à 2€. Alors c'est des petits bocaux qui font 55 centilitres. Donc ça, je les avais déjà vus aussi. Hein, non, je ne sais plus quel Jiffy, je trouvais ça pas mal. Et c'est en verre. Hein. Ils sont en verre, ils sont à 1,10€ avec la petite paille. Juste à côté, ça c'est vraiment pas cher aussi. Hein. C'est 3 tasses, hein, pour café, un espresso. Un petit espresso dedans en verre. Et elles sont à 1,63€, hein, le lot de 3. 1,65€, pardon, le lot de 3. Ici, c'est des verres qui sont vendus à l'unité. Alors, je suis toujours, hein, dans le rayon 1, 2, 3. Des grands verres à 60 centimes. Et là, on a un ensemble de verres aussi, hein. C'est dans le même esprit, hein. Ils sont un peu plus petits, ceux-là. Et il y en a combien? Il y a 8 verres. Ils sont vendus à 2,95€. Alors, ceux-là, je ne les avais jamais vus, ces verres Coca-Cola. À 2,90€ l'unité. On a les bols Coca-Cola à 2,50€. Alors là, on retrouve des boîtes hermétiques. Alors des boîtes, enfin c'est plutôt des boîtes, on va dire, de conservation. Et la boîte est en verre, le couvert est en plastique. Alors elles sont à 2,25€. On a un carré, on a un rectangle et rond. Donc ça c'est pareil, hein, c'est le même prix de 2,25€. Alors ça c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal et c'est pas cher. Donc c'est la marque Alpina. Donc c'est un économe plus un couteau à 1,95€. On a des mugs ici à 1,10€, hein. Ça j'en ai déjà acheté, ça fait un petit moment que je les ai. D'ailleurs je les ai laissés chez mes parents, hein. C'est là où les enfants prennent leur petit déjeuner. On a ici 1,50€, hein, les verres comme ça, les gobelets bocal avec la paille. On a ces boîtes pour dosettes à café à 75 centimes. Dans le même esprit, hein, que le mug que je vous ai montré, on retrouve ici les bols à 1,40€. On a des cintres. Alors le lot de 10 cintres en plastique noir. Et regardez, le petit plus, hein, ça je trouve que c'est important, c'est que voilà. Ça tourne et ça je trouve ça pratique. 1,50€. Alors ça c'est pour le nettoyage. Hein. Ça doit être pratique. Hein. C'est juste à enfiler cette serpillière.
sur la raclette pour nettoyer. 2 euros cette serpillière de taille universelle en microfibre. Voilà, s'adapte à tous vos balais et raclettes lavables en machine. Voilà, mon petit tour dans le rayon 1, 2, 3 euros est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.